Привет, Зазеркалье! Тихо, громко, ладно, звонко. Jusqu'en l'an 2020, tout était à peu près clair. Il y avait des choses utiles et des choses inutiles, des informations majeures et des informations mineures, des savoir-faire recherchés et des savoir-faire obsolètes. Mais un micro-organisme à couronne est passé par là, et du jour au lendemain, tout ce qui semblait acquis la veille ne l'était plus forcément le lendemain. Pour ma part, voilà 15 années que je passais mon temps à transmettre des informations tout à fait mineures. Comment bien prononcer la langue russe pour pouvoir la chanter? Je suis sûre que cette question ne vous a jamais traversé l'esprit. Revenons au printemps 2020. Il a fallu d'urgence mettre en forme et en ligne tout ce que je pouvais transmettre à mes étudiants musiciens. Dans cette mise à distance, j'ai constaté que certaines informations pouvaient peut-être servir à d'autres personnes. Musiciens et musiciennes intéressés par la musique russe, chanteurs et chanteuses qui avaient un texte russe à chanter, ces vidéos sont pour vous. Vous apprenez la langue et vous voulez en savoir plus sur sa prononciation, ces vidéos sont pour vous. La culture russe, que ce soit Dostoïevski ou le hard bass, vous intéresse, ces vidéos sont pour vous. Vous êtes curieux et curieuse des phénomènes transculturels, des liens profonds entre musique et langage, ou simplement curieuse et curieux de tout, ces vidéos sont pour vous. Il y en aura 25 environ, chacune sur un aspect précis, à regarder dans l'ordre ou dans le désordre. Pour suivre leur sortie, abonnez-vous. Et pour finir, un mot sur ce projet de vidéo. Sa finalité est de diffuser librement les connaissances. Le contenu est une élaboration collective, grâce à tous ceux et toutes celles qui ont fait naître la langue russe, qui l'ont fait vivre, l'ont transmise dans les siècles passés et continuent de la faire vivre et transmettre aujourd'hui. Je remercie les artistes du passé et du présent, qu'ils soient musiciens, poètes ou plasticiens, pour leur immense contribution. Je remercie mes grands-parents et mes parents qui m'ont appris tout ce que je sais sur cette langue. Je remercie tous mes étudiants qui m'ont appris ce que je sais sur la musique de la langue russe. Je remercie le réalisateur des vidéos qui est derrière la caméra, sans lui ce projet serait impossible. Et je vous remercie vous, qui êtes de l'autre côté du miroir, pour votre écoute et votre attention. Vous pouvez partager et diffuser les vidéos, sans oublier de citer tous ceux que je viens de nommer. Тихо, громко, ладно, звонко.